Eh bien, salut à tous, c'est Nexos et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6, je crois, épisode 6 de Mad Max. Voilà. Donc, écoutez, on se retrouve dans la forteresse de Goodgush et ce monsieur est là. Donc, on va aller rejoindre là. Et voilà. Bon. Pour faire un petit point sur ce que j'ai fait depuis, j'ai un petit peu nettoyé la région, mais pas trop. J'ai surtout récupéré toutes les carrosseries de voitures et fait quelques améliorations sur la forteresse de Jeet et sur la forteresse du Goodgash qui me permettent de détruire des voitures et que j'ai pas à descendre pour récupérer la ferraille, ce qui est tout à fait excellent. Et donc on arrive voir Monsieur Capitaine Crochet ou David Jones, comme vous voulez. Bonjour. Allez, commence. Yes, je veux défoncer la mâchoire. You want something? Say it. Ain't no sweet talking you, is there? No. All right. I seen that harpoon device of yours. Not bad. He's a little something extra, though. Sort of a final flourish, let's say. And that's where you come in. The jaw looks imposing, but it's got a weakness. The hinges. Your harpoon could be the key. Not with that weak jag tip. You need a piece tougher. Something called the talon. And you have it. I know who does. A nuisance of a noose man named Dimrim. And Dimrim could use a little lesson in manners. Him and his whole convoy. So I relieve Dimrim of this talon. By force, I reckon. And you and I square? Yeah. Then we be square. Yeah, un poil plus costaud. Eh ben allez, on va aller casser la bouche à Dimrim. Alors, let's go. Donc vous voyez quand même la voiture a une bonne gueule, hein. Je vais vous montrer les modifications. Je crois que je suis au dernier moteur, mais je l'ai pas acheté encore. Alors, voyons voir. Faudrait que j'améliore la calandre quand même, mais j'ai pas assez de ferraille. Au niveau du blindage aussi, il faudrait que je l'améliore un peu. Mais au niveau du moteur, ouais, je suis à l'avant-dernier et il me faut 900 pour aller chercher le suivant. Et après, il faudra aller chercher le V8. Et ça, c'est cool. Ouais, ensuite, j'ai quelques améliorations, vous pouvez voir, hein, tranquillement. Mais ouais, ça aurait été pas mal une nouvelle calandre pour améliorer l'attaque. Genre, j'ai celle-là qui a l'air pas mal, mais 900. Pour comment elle monte l'attaque, comment elle te booste l'attaque. Et celle-là, mais tu deviens. Regardez. niveau carrosserie, donc je les ai toutes. Hein, Et voilà. I'm gonna take you from it. Indeed, yes. We need something stronger. Yes, but I doubt anyone will give this talon up without a fight. I need it. I'll go get it. What happens, happens. Oh, le mec. Mais les gars. Voilà. C'est la fête pour tout le monde. C'est la fête, mon petit. Niveau essence, on est bien. Niveau munitions, on est à fond. On a juste allé casser la bouche à Monsieur Dimrim. Et on va s'échauffer sur ces petits salopards qui ont l'air de se vénérer. Hop, ça dégage.
Et ça, ça dégage. Voilà. On est échauffé désormais. Bon, par où est-ce qu'il va arriver? Je vais me mettre là-haut, voir si je vois pas de la fumée arriver. Un nuage de poussière. Et regardez qui arrive, qui est là-bas. Je suis derrière eux, je pense. Ou en face, je sais pas, on va bien voir. Mais je crois que c'est eux là, le nuage de poussière. Donc on va aller voir. Yes. Allez. Ouaza, c'était quoi ça? Putain de tempête de sable. Putain, j'étais bien parti et tout, j'allais leur casser la bouche. Mais oui, je viens de te le dire qu'il y avait un convoi, monsieur Chumbucket. Trop facile. Et il me reste une bastos pour ce salopard de Dimrim. J'aime bien quand ils sont pas trop blindés comme ça, que j'ai juste à leur balancer la bastos dans le réservoir et que ça explose en mille morceaux. C'est juste trop bien. Par contre, il est en train de perdre. Donc on va essayer de pas rester derrière lui parce qu'il va nous faire cramer sinon. Le problème, c'est qu'il tient toute la route, ce salaud. Ouais, bon, bah tant pis. Vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts? Ouh. Ornement de capot, la griffe. Et on va l'installer à l'arrière. Et maintenant, il faut aller voir Jit. On est loin de Jit. Où est-ce que je suis? Je suis là. Ouais, bah vous savez quoi, j'ai la flemme, donc déplacement rapide. Aujourd'hui on fait plein de quêtes principales, c'est clair. Hein, j'en ai marre de me priver, là, on en fait plein. On en bouffe de la quête principale. Hop, là je suis plein de munitions. Ouais, 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 j'ai cassé la bouche à Dimrim. It's possible with a pinch of black magic. What do you know? Oh, you got balls. On veut dire t'as les couilles. And you've done us some good, granted. So hear me. You'll need to get your harpoon reinforced to get through that first gate. Easy. But your biggest hurdle are those hinges. That's why it all calls for some black magic. Explosives. Oh, yeah. With the Talon builds you an explosive jag tip, those hinges right off. Let's do it. Une pointe explosive, ça. C'est cool. Compared to the pile of crap it was. Monsieur Chumbucket, le harpon de feu, oui! Et si je peux l'upgrade déjà, ce serait chouette. Je peux pas. Et j'ai un nouvel ornement de capot, bien sûr, c'est la griffe.
Regardez-moi cette voiture. Avec la grosse griffe à l'arrière. Et cette tête à l'avant. On est bon. Chief in Gastown wants collecting. Shall we go get him? Pick a target. Smithereens! Hey, what the hell are you doing out here? Practice, just practice. No need to get itchy trigger fingers. Et je vais m'empresser d'aller faire un truc qui me pète les genoux depuis le début. C'est aller ici. Et je vais pouvoir enfin rentrer et leur casser la gueule. Parce que je sais pas, il y avait un truc, ça me disait restriction explosion. Je pouvais pas du tout. Ça marche bien. Il y avait un truc, il me disait restriction explosion. Et malgré le fait que j'explose. Il me fait aller à la griffe, à la mâchoire, mais on n'y va pas tout de suite. Il me disait restriction explosion, j'avais beau mettre plein d'explosifs, des barils et tout, ça explosait pas. Et là, je vais rentrer et je vais vous foutre un bordel monstrueux. C'est un des derniers camps qui résiste. Le dernier camp de Gaulois qui résiste à l'envahisseur. Je peux vous dire que là, je vais leur casser la gueule. Bonjour, messieurs, dames. What the fuck? Portail fragile, restriction, explosion, on est d'accord. Oula. On va pas être très copains là. Tu m'expliques? Restriction, explosion, c'est bien ce que je fais, non? C'est bien ce que je fais, non, des explosions. Putain, c'est quoi ce bug? Quelle est cette magie noire? Oh! C'est quoi ce délire? Normalement c'est... Oh no way. Je vais péter un plomb là. Mais tu te fous de ma gueule? C'était juste au harpon qu'il fallait le prendre. Mais pourquoi il m'y explosion alors? Putain, mais alors vous les gars, je vais vous exploser. Alors toi déjà, Nictaros, voilà. Voilà. Vous m'avez gonflé. Avec votre bug là. Merci l'affichage du jeu. Ça fait extrêmement plaisir. Moi je vais défoncer tous vos trucs là. Voilà. Je vais réduire votre camp en poussière. Pourquoi tu pètes du pétrole? Ça peut être utile. Bah écoute, c'est le jeu, hein. Toi, ton petit emblème de fils de lâche, là. Boum. Boum. Hop, un petit peu de bouffe pour chien, ça fait plaisir.
On adore. Putain, oh, je suis énervé. Oh, je suis énervé. Oh, un élément de projet, ça c'est bien. Voilà. Et je peux aller faire les éclaireurs, super. Oh, de l'eau. Oula, 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 oula. Je suis pas très très beaucoup fan. Oh bah tiens. Vous savez quoi? Voilà, moi je pète votre matos. À grand coup de fusil à pompe. Mais Nexus, les munitions, c'est super rare. Non. Absolument pas. Je vois pas du tout de quoi tu parles. J'ai juste allé dans une forteresse et boum, je suis full mune. Oh, salut les mecs. Oh là là. Oh là là, là là là, là 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 là. Oh là là, je m'amuse. Alors les gars. Tiens, hop, je te pète la bouche. Hop là, hop là, hop là. T'es sérieux? Non, putain, j'avais un putain de combo là. Et à cause d'une prise de catch qui a mal tourné, je me suis fait niquer mon combo. Je lui mets juste une petite patate, allez coucher. Bande de lâches. Putain, j'avais un méchant combo là. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un combo de 25, on prend un level pour et on prend un jeton de griffa. Donc bon, si je pouvais faire des combos de 25 quand il y a beaucoup de monde comme ça et éviter que ça merde, ce serait chouette. Et donc là j'ai déjà accès au troisième monde quoi, c'est assez sympa. Enfin la troisième partie de la carte. Donc ça c'est cool. C'est carrément cool. Il me reste un objectif. Ouh, faut que je descende. Non! Ça va. Il s'est juste pété la cheville. Tout va bien. Parce que je suppose que si je fais juste comme ça, ça ne va pas marcher. Ah bah si, d'accord. Bon bah très bien. Et il me dit qu'il me reste un objectif. Ça veut dire que j'ai pas tout pété encore. Il en reste. Ah ouais, je vois où il est. Hop, là. Et voilà. On a démantelé le camp. Détruisez les réservoirs de transfert. Termine à 60%, mais je m'en contrefous. Alors, territoire de Jit, qu'est-ce qu'il me dit maintenant? Toujours level 1 de menace. Il va falloir s'occuper du reste. Bon, qu'est-ce qu'on peut se faire là? Parce que j'ai pas envie de... Putain, il y en a un là d'emblème. Ça, t'es pas trop chiant à aller chercher, toi. Il n'y aurait pas une tyrolienne quelque part. Histoire que je descende plus vite.
mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Bon, on va repartir par là d'où on vient. Voilà, 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 et voilà. Tiens, dans le conteneur là-haut, on n'est pas allé voir où des balles. Il y a strictement bah rien. Ah si, là il y a des pièces. 680. Alors, on va pouvoir se faire déjà. J'avais dit améliorer le harpon de feu. Voilà. Ça c'est parfait. Tiens, je peux même le upgrade au niveau 3. Dans le territoire de Deepfria. Ok. Et je voulais installer quoi déjà? Une nouvelle calandre. Elle coûte 900. Wouah. On va peut-être installer du blindage, hein. Voilà, parfait. Et encore un peu plus de blindage qui me coûte 600. Bon, écoutez, on va faire un tour chez Jit, histoire de récupérer les munitions, tout ce qu'il nous faut. Et ensuite, bah, le projet éclaireur. Bah tiens, on va aller faire ça, pendant qu'on est là. Le projet éclaireur, où est-ce qu'il est? Je crois qu'il est là-bas. La table d'éclaireur, je crois qu'elle est là. Si je me rappelle bien. Yes. Hop. Parfait. Décharge, toutes les décharges du territoire. T'es pas vraiment une larve, hein, merci. Ça me fait plaisir que tu me dises ça, tu sais. Allez, chum, on y va. Donc là, il m'a montré toutes les décharges du territoire. Avec tout ce qu'il nous faut pour rechercher les autres projets, normalement. Mais bon. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est virer les champs de mines. Et cet épouvantail que j'arrive pas à les choper, hein. Peut-être que maintenant, attendez, haha. Je vais peut-être aller pouvoir choper cet épouvantail qui me fait chier. Parce que vous allez voir, avant je pouvais pas le choper avec l'harpon. Mais maintenant que j'ai l'harpon bazooka XDMDR, ça va peut-être le faire. Then this car will need more work. There is Inca, right? An ancient lady of war and racing. Touched by the angel. Her machines are truly gifted. Ouais, ouais, on ira voir Pinkai, mais avant on finit de... Oh, des asticots. Ah non, un rat. Oh yes, je vais manger un rat, vas-y go. Mange le rat. Nom 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 nom, le bon rat. Oh. Délicieux. Et une petite pièce de ferraille, ça fait toujours plaisir. Attends, faut que j'arrête de rentrer par la gauche alors que le volant est à droite. Putain de voiture, merde. Vous le voyez là-bas, tout au fond, là, sur cette putain de... Sur ce putain de mur, moi je le vois déjà, là. Ce salopard d'épouvantail qui me fait chier. Go. Et après, bah... Voilà, on a là le harpon de feu. Ça, c'est cool. On a le motherfucking bazooka. Ah, j'ai chopé le pilote. Aïe. Ah.
Oh, je l'ai explosé. Ah non, c'est les voitures kamikazes, ceux-là. C'est vrai qu'ils ont des putains de voitures kamikazes, ces enfoirés. Et bah là, il me l'a mise. Mais... faudrait que je me mette à faire les courses à la mort un peu aussi, j'en ai pas fait une seule. Et que je prenne le buggy pour aller enlever tous ces petits champs de mines et ainsi rendre le territoire de Jit totalement... ok. Et le problème c'est que je sais pas comment monter sur ce truc là. Je sais pas du tout comment grimper sur ce machin en fait. Ah mais peut-être là en fait, c'est pas une rampe ça? Oh, on en découvre tous les jours. Oh putain. Voilà. En fait, j'avais juste pas besoin du bazooka, c'est juste que bah, j'avais jamais vu la rampe. Allez, répare, monsieur Chumbucket. Oh, elle a un look tellement agressif, la voiture, là. Bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire? J'avais vu qu'il y avait un camp de Kaïd par là. Il est où le camp de Kaïd? Il est là. Et bah écoutez, on va se faire ça. Un petit camp de Kaïd et puis on va se quitter là-dessus. Et la prochaine fois, je vous jure, j'aurai rasé le territoire du Goudgash et le territoire de Jit. Il n'y aura plus une seule menace. Enfin, j'espère que j'aurai la motivation pour le faire. Mais ouais, on va le faire. Comme ça, on aura vraiment accès à toutes les modifications. Surtout mettre 0 dans le territoire de Jit. Là, on y est presque. Donc, il me reste plus que les petits camps de lâches là. Et moi juste les petits champs de mine. Oh là là, attendez, il y a un convoi. Bouya, bonjour. Y a le convoi, on va leur casser la gueule. Hop, moins un. Hop là, lui, il dégage. J'ai plus de balles, merde. Ok, lui il a perdu sa roue, il est hors course. Parfait. Hop là. Il me reste plus qu'une munition de harpon. Hop là, toi tu te prends le caillou. On a croisé d'autres gens, c'est le bordel. Alors toi aussi. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Oh, le gaspillage!
Oh non, je vais échouer, putain. Non. Sors, 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 sors. Allez, venez vous battre, la bande de faibles. Oh non, j'ai échoué comme un lâche. Misérable. Médiocre. Oh non, 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 non. Je m'en veux tellement. Eh, Max fait son petit footing en attendant que la voiture soit réparée. Allez, ça suffira. Oh, la connerie! Ça marche, j'ai pas pris de dégâts. Allez, c'est reparti. On va les avoir, ces salopards. Salut les gars. On va les avoir. On est à fond là. On est à fond. Boum! Alors toi. Regarde, c'est moi qui ai pris les dégâts là. Voilà, hop, lui il dégage. Bon, il en reste deux qui ont un gros blindage en plus. Ils ont une barre de blindage, les salauds. Ça fait assez mal ça. Là, tout vous l'avez entendu. Yeah. Et puis il s'est écrasé comme une vieille merde. Vas-y, passe devant, passe devant, passe devant. Médiocre. Ah, salaud, salaud. Voilà, allez hop, dégage. Parfait. Putain, non, mais laisse-moi tranquille, toi, va-t'en. J'en ai rien à foutre de vous, putain. Mais putain, mais vous cassez les couilles, les gars, là. Allez, descends de ta voiture, descends de ta voiture. Je t'ai dit de me laisser tranquille. C'est clair. Merci. Nom de Dieu. Je vais lui mettre un choc frontal. Moi, j'aurais bien voulu choper l'épouvantail, mais... Mais, ils m'ont tellement gonflé que... Il
je vais les déchirer. Et on se quittera sur la mort du convoi. Il arrive, on le voit en face. Capiche? Ta marchandise est à moi. Voilà. Allez, il n'y a plus que nous deux là. Putain, il y a des potes à lui qui se pointent forcément. Je vais péter un plomb. J'en ai marre. J'en ai ma claque de ce convoi de merde. On va y arriver, hein. Je pensais juste pas prendre autant de temps. Parfait. On le rattrape. Merci. Et on va se quitter sur cet ornement. Qu'est-ce que c'est? À l'arrière. Ce sera très bien. Bah écoutez, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, vous abonner, à me suivre sur Twitter, l'épisode de la galère. Et puis, moi je vous dis à plus pour la suite des aventures de Mad Max. Puis, ciao, 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 ciao.